coup de, du skill, le but c'est de montrer un peu le jeu. Tout, là. Regardez pas les amis. Quoi non, en fait, Hubert, si, en fait, justement, c'est parfait. Là, on ne voit pas l'écran. Non. Donc c'est très bien. Coupe juste le son du jeu. On va passer ça. Tu peux peut-être faire. Ah, y a spoil, c'est du spoiler. Non mais justement voilà. Là nous on le voit mais pas les gens. Putain il y a Derek dans. Donc Kill c'est Zone. Bien. Greg tu peux peut-être passer ça. Essaye de faire option. Non. Ah là c'était bien pourtant. Là c'était bien. Tu veux pas encore. Le level charge. Bah ce qu'on voit l'image c'est magnifique. C'est super beau. Très beau. On va attendre un petit peu. Là voilà. Là ça vaut 400 euros pour moi. On va un tout petit. Ouais tu vois quand même une différence avec ce qu'on a vu. Là oui. Là pour moi là ça vaut 400 euros. Là c'est très très beau là. Ouais, non, c'est joli, hein, c'est sûr. Et les gens peuvent pas voir. Ouais, c'est horrible. On est désolé, mais on veut vous préserver aussi un petit peu, quoi. Plus beau truc, on vous le montre pas. Voilà, on peut montrer, c'est un vaisseau dans l'espace. Oui, mais quel vaisseau. Derek était un Helgats. Qu'est-ce qu'il veut ce vaisseau? Putain, c'est style. Mais j'y comprends, j'ai jamais joué à Killzone de ma vie. C'est les mecs avec les masques à gaz ou les mecs avec 8 yeux? C'est Jinro là, les mecs. Ah, c'est les deux. C'est Jinro, mais. Non, c'est l'autre, c'est Homeland. Non. Homefront. Non, putain, comment il s'appelle? Il y a Résistance. Ouais, voilà, Résistance, c'est celui avec les gamins. Avec les monstres. Les aliens. Voilà. Et Killzone, c'est celui avec les masques à gaz. C'est ça. C'est les masques à gaz. C'est les nazis de l'espace. Résistance. Et QIZE, c'est Bioshock, non? Ok, Hubert, c'est parti. Voilà. On peut le remettre. C'est beau. Alors, ça subliminal peu d'ordre qu'ils zone. Petite alors, zone, c'est knack là. Alors, ah non, petite là, ça, zone c'est alors là, voilà, là, je suis d'accord, ça, c'est magnifique. Ça, tu le fais sur ta PS3, ça, hein. Ah, bon. C'est vraiment le futur. Alors bon, mais le truc, c'est que justement, on se dit, voilà, c'est de la cinématique machin, mais il y a quand même pas mal de passages dans le jeu où tu vois des décors de ce calibre là. Et tu joues. Et ça y est, et là, il y a la PS4 qui commence. Et là, la PS4 commence à faire. Là, Yukishiro va allumer son sèche-cheveux. Mais c'est pas vilain. Moi, j'ai trouvé que c'était pas vilain. Écoute, moi qui ne joue pas sur PC, je trouve ça splendide. Ça me rappelle. Bah c'est même, c'est souvent ce que j'ai dans mon test. Quand t'as des moments comme ça dans le jeu, c'est Killzone 2. C'est même plus beau que ce que tu vois sur PC. C'est magnifique. Seulement le jeu n'est pas tout le temps à ce niveau-là. C'est quelques passages. Ah oui. C'est quelques passages. Oh, l'entends plus, Chocapic, hein. Mais tu vois, là, il va dire que voilà, on est en hélico et la vache. Là, typiquement, c'était la cinématique, mais là, t'arrives dans le jeu. C'était pas du temps réel, là, les buildings. C'était du temps réel, et là c'est toujours du temps réel. Et là, regarde, fais tourner la caméra. La PS4 est en train de décéder. Bah, va te pencher. La PS4, mais va c'est pencher au bord. Ah, mais non, tu joues avec les axes. Non, tu peux les inverser. Tu peux faire option, mais ah, là, vite, le bruit de la PS4, c'est incroyable. Changez-moi ça. Le bruit de la PS4, il est. C'est juste incroyable. Ah, mais là, tu l'as fait travailler. Faites silence, 2 secondes. Mets ton micro à côté. Non, t'as pas besoin, on l'a pas. Non, mais mets-le quand même, rapproche-toi. Là, la PS4 est en devant. Ouais, mais là, elle travaille, tu vois. Elle est en train de décéder là. Ah ouais, mais next gen ou pas next gen? Elle en peut plus là. Ah, tu veux de la next gen, mec? Greg, est-ce que tu peux aller au bord d'un ravin? T'as tué les autres. Bien sûr. Voir un petit peu justement le décor. Est-ce que c'est comme dans Sonic? Il va bouger les bras quand t'es au bord du truc. Donc voilà, les jambes qui me croyaient pas trop quand je disais que c'était beau et que ça donnait rien. Bon, par contre, les jambes c'est toujours aussi pourri. Avec Nak et compagnie. Non, mais bien sûr. Au moins, il y a des jambes, hein, je veux dire. C'est vrai. Ah, excusez-moi, est-ce que tu peux aller de l'autre côté, voilà, par là, va te promener un peu par là. Bonjour, monsieur. Allez, vas-y, passe les contrôles. Non, mais il est très beau lui. Monsieur, vous êtes très beau. Il est super bien modélisé, il n'y a pas de souci, c'est magnifique. Mais voilà. Ouais. Ah, ça me fait plaisir d'entendre par ça. Par contre, ils vont tous faire du ski là. Bah, c'est vrai que la PS4 sur un écran 65 pouces. Alors, il est où Rise là? Il est où Rise? Allez, Rise. Ouais, ouais, je pense qu'il faut ramener Pouillot une seconde fois. Il faut ramener Pouillot. Poichiche, c'est Poichiche. C'est Poichiche qui est. Je plaisante parce qu'en plus, Rise est aussi très beau. Mais je trouve, tu vois, justement, que là, t'avais un niveau gigantesque dans Rise souvent. Mais t'es un or! Regarde le mec, il me regarde de haut, enculé. Direction. Putain, je paye pas 400 euros pour. On n'en meurt pas d'être. Je paye pas 400 euros pour incarner un mec d'1m60 quoi. Putain, par contre, ils sont. Yukishiro. Ils rigolent pas sur la sécurité au Club Med. Hein, c'est, carrément. C'est le temps de charger l'écran suivant. Regarde au-dessus, regarde l'immeuble. Ah, c'est PNJ. Oh là là. Alors les feuilles. C'est un peu plat quand même, hein. Les feuilles, excusez-moi, je vais faire mon rôle. Ah, Greg est très exigeant. Allez, les fleurs, sur le volume des feuilles. Ouais, les pétales, ça, les pétales. Le Armani là est pas mal. L'Armani. Pas mal. Ce qui est bien taillé. La veste. Non, mais c'est très joli, mais c'est pour l'instant, je me promène quoi. Ah, bah oui, non, mais attends, avance un petit peu. Je peux pas sauter, tu vois, je peux rien faire. Non, mais là tu viens d'atterrir. Là tu viens d'atterrir, tu dois aller discuter avec je sais pas qui. Je lave mes bottes. T'as pour que Alexandre Lu dise ça déchire. C'est quand même que c'est l'exigence. C'est l'exigence graphique. Attends, il dit toujours ça déchire, mais c'est quand il parle. C'est de beau, mais ça rame. Ah bon? Le label qui ça rame? Non, ça rame pas, c'est juste que je n'ai pas le droit de courir. Peut-être que sur le lag, sur le stream, ça lag. Alors, ami internaute. Alors, le stream est en 720p, on rappelle, le jeu est en 1080 normalement. C'est nous qui bridons. Ah, regarde, ça rame! Je c'est lent! Ça rame!
Et donc là, ce n'était qu'un rêve. Et là, on découvre Sarah Connor. Est-ce que Trunks, tu peux compter les FPS? Il y en a combien de... Là, 76. Elle a une 63 FPS. 63. Voilà. 63 en 1080p. Ah, il est descendu à 62. La target du jeu, c'est 1080p 60 FPS, mais il n'est pas tout le temps à 60 FPS. Ah. Il y a des chutes. Il y a des chutes de framerate. Mais les chutes, après, je pardonne plus facilement les chutes de framerate dans ce jeu-là que dans Knack. Tu vois. Ah oui, bah forcément. Je t'avoue. Tu pardonnes pas grand-chose avec Knack. Mais non. Donc lui, tu vas le buter avec une petite QTE, Greg. Je te prépare. Au niveau de la QTE. Au niveau de la gestion, je sais pas si c'est son armure qui lui rentre dans le cul, mais c'est... Ah putain, ce twist. Cette case. Ah bah non, c'est automatique. En fait, t'as rien fait. Ah ouais, j'ai QTE le vent. Bah, c'est la QTE next gen. Elle a deviné que je voulais tuer. Ok, Greg, les animations sont super. Va te planquer derrière un petit mur. Ah, ils sont. Ah merde, c'est l'autre gâchette poussière. Alors, Greg, vise. Attends, c'est la. Tu m'as dit d'aller me planquer. Tu appuies sur le. Tu regardes les ennemis et tu appuies sur O sur la croix. Est-ce que c'est quoi? C'est jouabilité Battlefield? C'est comment tu t'accroupis? Comment tu fais tout ça? Voilà. Non, pardon, c'est pas. C'est L1, Greg. Appuie sur L1 quand L1. Tu as des ennemis et tu vas balancer ton drone de combat qui va faire le taf. Voilà. Allez, au boulot. Non, là tu l'as rappelé. Ennemis, ils sont là. L'école de la fuite. Là tu peux pas, il est. Alors, mais Trunks m'a dit va te planquer. Tire. C'est le genre de bon gars que tu vas me passer à la manette. Attends. Ah putain, j'ai encore trompé le bouton. Putain, je me fais humilier. Voilà. Un ennemi là. Ouais. Bon, je sais pas si c'est la manette qui lag, mais alors le retour de. Enfin, j'allais dire le retour de force. Appuie sur L, Greg. L1. Juste à oui, mais... Non, ça c'est... R1. Ah, R1, oh merde. Mais j'ai envoyé mon drone, là, il fait... Voilà, attends maintenant. Il y a forcément... Voilà, maintenant, tu profites du fait qu'il prenne les coups pour toi et tu vas le buter. Mais tu tires avec quoi dans ce jeu? Avec R2. Ça, le jeu pas R2, on est d'accord. Mais ça tire pas. Non. C'est... Mais non, regarde, il me dit... Ah bah t'as plus une munition, ou alors faut changer. Fais triomphe. C'est 24 sur 130. Sur le chat... Ah, voilà. Sur le chat, ils sont quand même assez convaincus par les graphimes. Bah quand même. Ouais. Pas pourri, je l'ai déjà dit. Voilà. Graphiquement pas pourri. Voilà, graphiquement. Ah ben voilà, ça y est. Ah là, ça y est, t'es prêt. T'es armé. Voilà. Alors en gros, quand tu feras L1 sur un ennemi, t'envoies le drone qui ira le buter pour toi. Alors ça marche pas tout le temps. Oh là là, mais l'escalade à la Battlefield. Ça marche pas tout le temps, mais ça va quand même bien t'aider. Là, tu vas te craquer. Mais non, Greg, il faut pas. Sonic. Je suis pas très punitif comme jeu. Non, mais le problème, c'est que je suis en train d'admirer le jeu, du coup, je vois pas où sont les ennemis. Essaye de trouver les ennemis et juste d'appuyer sur L. Voilà. Envoie ton drone là. Ah, mais c'est bon, je sais jouer à FPS. Alors, Greg, je sais pourquoi ça tirait pas tout à l'heure. En fait, t'étais passé dans le mode alternatif du fusil à rail. Il y a un mode alternatif. C'est un ray gun et une charge. C'est un mode snipe. C'est le mode snipe. Allez, revis-moi le. Revis-moi en l'air. Non, mais c'est mieux que tu recommences calmement. Et en fait, là, tu traces beaucoup trop. Il faut que tu ailles progressivement quoi. Il faut que tu essayes de buter. C'est un jeu subtil, tu vois. Ah, c'est un FPS subtil. Voilà, là tu appuies sur L tout de suite. Balance ton drone. Balance ton drone. Maintenant tu vas te planquer et t'essayes de repérer les ennemis et de les buter. C'est donc ça le but du jeu. Voilà. C'est un first person cache-cache. Donc là regarde où tire ton drone, voilà. Attends, je suis en easy, normalement je devrais me balader comme dans du beurre. Bah t'as déjà survécu étonnamment longtemps. Oui. Ah ouais. Quelqu'un qui courait tout droit. Ah mais fallait le dire qu'il fallait jouer comme dans Battlefield. Le beurre est resté un peu au frigo. Qu'il fallait jouer comme dans. Non, c'était lequel? C'était Call of Duty 2. Voilà, pas mal. Balance ton drone encore. Ah ouais, il tue un mec et il bouge. Non, mais en fait, tu peux le repositionner. Ah d'accord. Tu peux lui dire, voilà, retourne là. Il tue un mec et il bouge plus. Il va les buter pour toi. Par le futur, les mecs. Tu as une attaque de mêlée avec R3. Ah, mais il a un champ de force là. Non, planque-toi. Appuie sur R3, rapidos. R3, hop. R3 rapidos. Non, ça c'est L3. Greg. R3, voilà. Voilà, t'as ça. Si t'arrives près des mecs au corps à corps, tu les tues directement. Et je peux passer à travers le champ de force ou. Non. Non. Mais alors, lui en fait, ouais, tu peux le contourner pendant qu'il tire sur le drone. Moi bon, là, il est vraiment stupide. Je suis en easy ou ils sont vraiment cons comme ça tout le temps? Ah, je lui ai tranché ça. C'est pas très dans la gorge. Voilà, et là, c'est vraiment parce que t'es en easy que t'es encore vivant. Là, tu dois être mort depuis très 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 longtemps. En normal, ils sont. Il a du skill grec, t'es lui la paix. Non, c'était pas de ça. Écoute, mes succès en témoignent. C'est vrai. Car plus on a de succès, plus on joue. C'est vrai quand bah attends, j'ai... Non, mais quand tu changes de génération, t'es à poil du coup. Enfin, toutes ces années de travail. Mais, et non, de ça... mais non, je t'ai dit la semaine dernière, grâce à ça, j'ai eu. Comment il s'appelle Ah putain, je suis en train de. J'ai pas fait gaffe au jeu. J'ai un Killer Instinct gratuit. Tu veux pas l'essayer, Anne, essayer Greg pendant ce temps? Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on va pas passer ce passage. Ah! Mais non, mais
Je suis dans... Ah, il t'a revive. Je cite Cacao, Greg nique tout l'intérêt avec son skill de plot. Ah, tu m'étonnes. Je pouffe. Skill de plot. Mec, next gen, ce que je vois, c'est que les consoles, vous savez toujours pas jouer à FPS. J'ai fini tous mes FPS en vétéran, mec. Ouais. C'est juste que oh, légendaire. Greg, t'es beaucoup trop à couvert, là, Greg. Recule. J'admire. Soit tu balances ton drone, soit tu recules. Et dans l'idéal, tu fais les deux. Mais putain, faut te planquer tout le temps. Appuie sur L1. Ah oui, il faut. Attends, mais c'est Gears of War ou c'est un FPS? Ah non, c'est pas Gears of War. Hein, bah, c'est un FPS justement. Bah, attends, mais les FPS, t'avances et tu moissonnes quoi. Bah, non. Ah, c'est pas Doom. Non, mais toi, t'es habitué au FPS Doom où tu fonces sur le mec et tu tires dessus. Mais là, non. Bon, ok, je vais faire ma tapette, je vais envoyer le robot, je vais aller me cacher. C'est vrai qu'on peut pas trop donner de leçons vu ce qui s'est passé il y a une heure avec BF4. C'est ça. Poichiche ne pourra rien dire. Poichiche pourra vraiment rien dire quoi. Parce que là, c'était. Voilà, bon, il y a un mec là-haut, hop, j'envoie mon drone. Allez, à l'attaque le drone. Non, là, tu l'as rappelé, vas-y, relance. Il y a auto-punch. Non, c'est bon, je l'ai tué. Hop. Bon, allez, le drone là au boulot. Mais j'imagine que le drone est invincible en plus. Non, tu vois son énergie en haut à gauche. Ah oui, il morfle aussi. Il est en train de morfler. Il revient. Et quand il est dead, il revient vers toi. Il y a de l'autorégène. Il se recharge. Ah, ben voilà. Est-ce qu'on peut jouer en coop? Il y a un mec qui joue le drone, non? Non. Ce serait bien ça. Allez, fais-toi ces deux-là. Avec la PlayStation App. Bah voilà, c'est pas mal ça. Ah bah oui, bah, et tu me dis planque-toi, je me planque. C'est super bien joué, voilà. C'est comme ça qu'on joue au FPS. Non, on va faire celui-là. Pas mal. Ah mais moi je joue à l'ancienne, tu vois, je cours, je saute sur les mecs. Non, tu vas descendre. Voilà, hop. Allez, à l'attaque. Je joue. Là, ramène-toi là. Non, tu vas descendre. Hop. Ah, oh là là, mais il y a des cums en dessous. Tu peux péter le plancher ou pas? Non, mais par contre, tu vas essayer de te... C'est pas très next-gen ça. Tu vas essayer de rentrer là dans une... Excuse-moi, mais dans NAM 75, on pouvait péter plus de trucs. Tu vas essayer d'entrer dans l'une des portes. Attends, hop. Tu vois la porte là sur le côté? Attends, j'envoie le drone. Il y a une porte sur le côté. Ah, est-ce oui. que vous la poire peut commenter le framerate? Il y a des inquiétudes. L'eau amo. Est-ce qu'avec ton œil humain, tu vois le... Tu vois, ils sont sympas, ils disent l'eau amo, ils disent pas l'eau skill. Ça va, hein. Warning, l'eau skill, c'est arrêtez de jouer. Stop, ça suffit. Voilà, bien joué. Ah, mais Greg. Hold, attends, je vais holder. Hop, voilà, viens là, toi. Voilà, change de flingue. Un flingue qui s'appelle Kaiser Soze. Non, c'est ton pote. Ah, ils sont là, putain. Là, ils sont. Allez, mêlez. Hop. Ah, ouais, vas-y, prends des coups de fusil à pompe. Ah, pour tiens, j'ai balancé des couteaux, c'est classe. Mais quel beau. Aïe. Oh là là, no adrénaline. Bah, tu peux jouer au moins. Tu joues et non, on parle. Tu fais la démo et nous on parle. Le skin. Le skin, bah, il a pas l'air content. Enfin, Nanark, c'est pas venir sur le c'est plateau. C'est pas grave, tu repars de là, Greg, et tu changes de flingue. Allez, ouais, allez mourrez tous. C'est vraiment les jeux de fumée, ça. Oh, Nanark. Oh là là. C'est pas le blasé. C'est parce que tu vois Greg jouer. Oh putain, les explosions en gif. Non, mais c'est le même jeu depuis 15 ans, donc c'est bon. Bah ouais, c'est ça. Putain, mais Shoka et Nanark dans la même pièce, une concentration, tu sais, là. Ils aspirent la matière. Les mêmes potentiels, le même truc, les mêmes flingues. Les mêmes textures. Les mêmes textures depuis 15 ans. Les mêmes textures. Puis la PlayStation. Change peut-être de. Oui, enfin, tu vois, j'y suis allé au flingue et ça marchait très bien. Les corps, ils disparaissent au sol ou ils restent là? Non, ils disparaissent. Ah, je vais par là. Hop. Ouais, drone mon cul là. Hop. Bon, tiens. Shotgun. Qu'en pense le chat? À part que je suis mauvais. Le fusil à pompe est pas mal du coup, Greg, je te conseille de le garder. Il y a 30 secondes d'extinction sur cette télé, je sais pas qui a la télécommande. Attention, mais... tiens, tu peux la prendre et faire OK. C'est pas chaud. Si, ah merde, fallait que j'aille de l'autre côté. Ça va. Chaud. C'est celle-là, c'est... Normalement, Greg, si tu appuies sur O, sur la croix directionnelle, tu vas voir ton objectif. C'est pas celle-là, la télécommande. Voilà. Je sais c'est le objectif. Ah, faut que j'aille parler. Il était là, faut que tu actives un truc, vas-y. Jamais vu. Appuie sur L1. L1, hop. Il y a plus de temps pour rallumer. Ton drone va hacker le machin. Voilà, il a eu un petit problème de Z-buffer, hein. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Effectivement. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que... Quelques tweets au pif, le jeu tourne vraiment à 60 FPS, point d'interrogation, car le stream ça ressemble plus à du 30 FPS. Bah, sur le stream, c'est le normal. Stream est à 30 FPS. C'est normal, le stream est en 30 FPS, donc c'est pas la fluidité du jeu chinois. Bon, en fait, c'est moins magnifique. Greg, il est passé direct de Unreal Tournament à Killzone. C'est pour ça que je te disais que c'était inégal, tu vois, le passage à l'extérieur c'était somptueux. Là, à l'intérieur, tu vois des couloirs et du mobilier, après, et des machines. Non, il n'y a pas de chargement, il charge au maximum dehors. Ouais. Exact. Ça reste joli. Tu dois pouvoir descendre voilà, par là. Ouais. Ah là là, 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 là. Oh quel frag. Ah là, t'as vu ça. Quel fragger fou. Ça c'est l'école Left 4 Dead mec. Oh bim. Dans les parties.
Recharge, Greg, recharge, carré. Bien sûr. C'est The Last of Us. Greg, je joue moins bien que ma grand-mère. Tu commences à avoir le truc, Greg. Ah bah ça y est, j'ai compris. Par contre, tu utilises pas assez ton drone. Mais non, mais c'est un jeu de lâche. Jeu de lâche. Voilà. Ah, pan, pan, pan. Ah non, c'est... Ah, du script. Friends. Ah non, putain, tout ce que je déteste dans les FPS. Vas-y, suis-nous, on va ouvrir les portes pour toi. Non, regarde, tu vois, ça va pas être trop long. C'est bon ? Rappuie sur flash haut, tu vas savoir où aller. Mets-leur une quenelle. Ah, vas-y, monte, monte. Oui, oui, regardez. Bah ouais, c'est bon, ta gueule. Okay, le point. Craig. Mais non, mais je joue pas au FPS pour qu'un mec m'ouvre la porte, quoi. Bah attends, mais c'est pas un FPS solo, quoi. Tu fais partie d'une, d'une faction, quoi. T'es numéro 10 dans la team. Ouais, quoi. Mais j'en, fin, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh putain, je vais faire moi-même. Ah. Oh. Oh là là. Jésus-Christ, c'est près du... Ah mais toutes ces lights. Oui. Oh du parc des temps. Les animations sont pas top quand même. Hein. Ouais, les animations c'est pas léger. C'est la Uncanny Valley. Ah. Ah. Les lumières sont jolies. Ah, chocolat. Tu prends la bouffe fiscale. Tu vas faire un petit tour, Greg. Ah non, me dis pas, recule. Ah oui, il faut d'abord que le mec monte avant. Bien sûr. Oh là là. Attends un peu. Mais arrêtez avec vos scripts, on s'en déteste tous ça. Et on salue Nanar qui arrive sur le plateau et qui n'a pas de micro car elle ne souhaite pas parler. Non, voilà. Pas Nanar, de déclaration. L'observateur de l'ONU. Silence. Il veut juste se montrer quoi. Genre, c'est l'observateur de l'ONU. C'est histoire de relancer le forum pour 6 mois. Donc Nanar qui a créé voilà. Gamecult rien que ça. Alors Essence Critique. Rassure-moi tout de suite, là c'est pas Essence le mode EssenceCritique.com. C'est pas le mode Gatling qu'il y a dans tous les FPS, genre tu bouges pas et tu tires sur des trucs carrés. Je crois qu'il y a une face comme ça. Oh là je suis pas sûr, je me souviens. C'est pas le mode mec qu'on a vu dans Battlefield ça. Non. Bah il faut bien qu'il y ait, je veux dire. Alors l'autre ressemblait à Omar dans The Wire et lui il ressemble au capitaine dans The Wire. Voilà. Tu vois le. Ah au lieutenant. Ouais au lieutenant. Lui il a un petit air. C'est marrant, enfin, ils vont chercher leur perso là-dedans. Le oh là là, ouais. Ça y est, j'en ai déjà marre. Cédric, exactement. Mais oui, mais il y a une histoire regarde, aussi. Si j'étais pas mort, j'aurais joué 10 minutes et là, le mec il me raconte sa vie, j'en ai rien à foutre. Ah, mais c'est sûr, ça c'est le. C'est le blockbuster en exchange. Tu peux zapper là ? Peut-être que tu peux zapper. Non, mais zappe pas, c'est super mignon. C'est super mignon, mais t'es fou, lui. Restart, respawn. T'es fou, toi. Non, option, il me propose de changer l'axe. Non, mais de toute façon, zappe pas. Non, c'est du temps réel, ça. Je peux. Voilà, faut que je regarde. Faut que je regarde Osef Méchant me faire des manies. Mais non, mais quand t'es dans l'histoire, tu t'osef. Ouais, c'est un acteur aussi que je joue dans Homeland. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu nous dis des cinématiques de MGS, Greg ? Ah, mais je déteste. Ah, merci. Ah, mais je déteste. Ok, ok. J'ai refusé MGS4 quand Yuki m'a dit oh, l'intro, elle dure 1 heure, c'est mortel. Je okay. Dis, ok. Jamais de ma vie. Ok, dans ce cas-là, t'es équitable. D'accord. Non, ça, moi, ça me fait. Enfin, tu vois, Half-Life a été malin parce qu'il te racontait une histoire pendant que t'avançais dans les couloirs et tout. Et depuis, ils se sentent tous obligés de faire ça, mais là, il se passe rien. Ok, quand tu le fais une fois, oh, c'est joli, les buildings et tout, mais voilà, le jeu est magnifique, mais j'en ai déjà marre. C'est pas normal. Voilà, tu vois, le mec, il peut me parler parce que tu es particulièrement impatient. Non, mais par contre, sur les visages, tu vois, par rapport à ce qu'on a vu sur BF4, je trouve ça une génération en arrière, Killzone. Sur les visages ? Les animations de visage, je trouve ça. Mais là, le mec, il a. C'est moins saisissant. Ouais, c'est ça, vachement raide en fait. Bon, après, les gens sur le chat, notamment, surtout par rapport à The Last of Us, quoi. Surtout par rapport à The Last of Us. Ouais, c'est pas que c'est fondamentalement moche, mais c'est vrai qu'on a déjà vu beaucoup mieux en fait. Et effectivement, t'as l'impression que la motion capture a été faite comme si c'était un jeu d'avant. Ouais, j'aime bien, ils ont vite fait de ramener des. Il a des étoiles dans les yeux. Voilà. Il pleure, c'est Candy. Et Candy. Mais non, il est noir, c'est Candyman. Il y a du coca ici ou pas ? Il y en avait, mais il est en train de le boire caché derrière le pilier. Ouais. Alors, ça y est, je peux. Eh, hey, on dirait un niveau d'effet frais. Bien beau. Voilà. Narita Express. Ouais. Est-ce que un verre? Oh là là, putain. Oh là là, Greg, bien joué. Est-ce que tu as un verre? Je suis tombé. Non, tu t'es fait écraser. T'es sur une voie de train là en fait. Ah. Donc il faut essayer de trouver les zones où tu vas pas te faire écraser. Ah. C'est pourquoi. C'est Super Mario. C'est quoi pour nous le jeu de la Next Gen à acheter, PS4 ou Xbox One confondu? Oh bah, les beaufs de tout à l'heure, ils vont me dire FIFA. Hop là, mais... tu t'es fait écraser. Oh là, mais il est où ce train? Je vois rien. Greg, c'est Frogger. Pense que c'est Frogger. Forza. Et voilà, je demandais pas. Ouais, petite Forza. Donc le train, voilà, là, normalement, le train, il... Après, voilà, pour là, tu t'es mis sur le côté, tu vas attendre que le train passe. Forza, voilà, et tu passes maintenant. Allez, passe. Tac. Pas forcément là, mais bon. Je passais pas. Tu peux regarder aussi l'autre décor, non, mais pour qu'on voit un petit peu les beaux graphiques. Une fois de plus, j'ai pas de munitions. Parce que la tu peux regarder un peu à droite, Greg. Tu peux changer d'arme. Non, mais la next gen, c'est bien, mais du coup. Tu peux regarder sur ta droite, non ? Le truc est écrit trop petit, je vois pas mes munitions. Qu'est-ce que tu veux que je regarde ? Non, pas par là, de l'autre côté. Non, bah, tu m'as dit. Regarde dans le vide, Greg. Ah ! Voilà. Non, mais juste pour qu'on voit. Est-ce que je peux que c'est fort joli. Oui, voilà. Mais tu non, peux. Greg. Ah merde, tu peux même pas tomber. Mais non, mais c'était pour voir un peu la. Est-ce que je peux juste faire un truc de beau gosse avec ta mallette ? Vas-y.
Qu'est-ce que c'est, quoi, un truc de... J'enregistre avec le bouton share. Vas-y, je... Ah, tu enregistres, là ? Attends, ouais. Mais je suis en train de crever. En fait, tu double-cliques sur le bouton share et ça lance l'enregistrement. Attends, mais je suis en train de crever, là. Justement, c'est pour ça que c'est beau. Et putain, et les bidons, ils explosent pas. Et non, ils explosent pas. Et c'est quoi, ce sont pas rouges. 2 sur 10. 2 sur 10. Ils sont pas rouges, bah oui. Use ladder, oui, use ladder. Ils explosent s'ils sont pas rouges. Le mec, il tourne le dos, mais c'est quoi cette Yachi, quoi ? Ouais, il a une. C'est 400 euros. Attends, Greg, attends. Alors, éloigne-toi, éloigne-toi. Est-ce que je peux immortaliser ce plan ? Attends un peu. Oui. Vise le mec. Oui, je vise le mec. Et maintiens le bouton cher. Il est où cher ? Ah oui, il est là. Maintiens-le, maintiens-le. 1, 2, 3, 4. Ok. Vas-y, maintenant, appuie sur cher une fois. Juste une fois. Ouais. Va sur upload screenshot. J'upload un screenshot. Ouais. Elle va arriver dans un instant sur le compte GameCult officiel. Wow. Pour montrer à quel point on est un futur. Cette technologie. Ouais, appuie, clique dessus, parce que c'est ce qu'on a dans les screenshots. Twitter. Voilà, Twitter. Là, tu veux un commentaire, vas-y, mets ce que tu veux. Là, t'as les commandes du compte officiel GameCult. Mais pas court au cas où. C'est la publicité. Achetez Full Metal Alchemist. Le message politique. Achetez Jimeno Hippo. 400 euros. Voilà. 400 boules. 400 boules, voilà. Voilà. Donc là, surveillez le compte GameCult officiel. 400 boules. Et tu fais Don. Non. Et... Non, mais je suis un revendicatif, moi. 400 boules, et ça... Et ça explose pas. T'as des raccourcis en haut. Ah bah, tu l'as pas, de son. Ouais, mais c'est en anglais. Ouais, c'est ça. Et ça explose. Tu t'arrêtes à ça, tu vas être RT par le compte officiel PlayStation. Ça explose. Ah, ça explose. Et voilà, il n'y a pas un raccourci smiley ? Non, attends. Non. Non. Il faut les faire à la mano. Hein. Hop, tac. Tu gardes PS4 cher. R2. Bah oui. R2. Voilà. Histoire d'être sûr qu'on n'aura pas la PS5. Tu vas en bas. Tu descends, descends, descends. Cher. Cher, voilà. Et je cher. Et donc ? Le futur. Attention. Le futur. Et qu'est-ce que nous avons ici ? Oh là là. Je sais pas si on peut m'en voir. Ah putain! Un train dans la gueule. Si on peut avoir l'image. Ça va un train, Hachi. Je regarde ton truc et je me fais tuer. Le screenshot est arrivé déjà sur le compte officiel Game Pass. Oh là là, trop bien. La télé veut qu'on lui parle. La télé veut qu'on lui parle. Qu'est-ce que c'est? Fermez le guide. Faut faire Je croyais que t'allais dire ferme ta gueule. Ah, ça marche, Mickey? Fermez le guide. Ouais, parce que. On a aussi. En fait, on a Kinect, on a une télé. Faut pas avoir une télé qui capture. Fermez le guide. Fais attention au train. Merci. Bien joué. Oh. Oh, bien joué. Maintenant, tu peux monter à l'échelle, Greg. Non, tu pouvais là. Il y avait une échelle. Ouais. Ah non, pas là. Je dis. Oh là là, mais tout pour me faire mourir. Alors, couvre l'échelle. Toi aussi, t'as fait un pari avec Geiger. Tiens-toi sur la gauche. Hein. Tiens-toi sur la gauche. Voilà. Attends que ça passe. Comme si je conduisais en Angleterre. Alors que nous, on envoie des photos sur le compte. Voilà. Monte. Use ladder. Allez, use la ladder. Fermé. Use la ladder. Non, ça marche pas. Hop là. Voilà. Fermez le guide. Eh hey, mon drone. Tu te fais tirer dessus, envoie-le. Dronas. Envoie-le. Hop là, voilà. Cache-toi. Attends, je vais le droner. Il va l'aider maintenant. Fermez le guide. Donc le mec était en position de. Il était en position ascendante sur moi, mais il a décidé de descendre à l'échelle. Ça se bat derrière toi. Hein. Fermez le guide. Ça se bat derrière moi. Je sais pas, j'ai entendu le drone tirer. Écoute, le drone est là pour ça. Je sais pas comment ça se désactive là. Ouais, il y a le jeu dans le jeu, c'est moi qui joue avec la télé. Fermez télé. Non. C'est quoi qu'il faut dire? Il va te l'éteindre. Ah oui, merde. Là on dit plus rien, on se tait. Ouais, bon, donc. Donnez, lance-roquette, bon, Greg. Internaute. Donnez. Voilà, ça c'est le passage chiant du jeu. Donnez, viens. Ah bah c'est comme dans FF13. C'est pareil. Bah oui. Faut que t'ailles dans le wagon, dans le train. Là. Dans le wagon. Ah mais ce level design. Oh là là. Mais c'est tu peux sauter. Un peu. Ouais. C'est pas très clair. Ouais. Hein. Et donc c'est là. Il tweet ouais, automatically, grabite. Hop là. Oh, voilà. Oh là là. Crypté. Mais non. Ah oh, mais non, mais qu'est-ce qui se passe là? On a un truc annulé. Annulé. Notre télé fait n'importe quoi parce qu'on est pas. Mais j'ai oublié de télé t'as mis à QTE en plus. Vous le voyez pas, mais il y a un gros menu qui est apparu devant la nuit devant Greg. C'est du sabotage. On t'a saboté de ces saloperies de télé moderne en fait qui réagit à la voix. Voilà. Et du coup. Donc quand tu dis putain, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit une insulte. Voilà, j'étais où moi? J'étais par là. Allez hop. De plateforme. Là ça va pas le faire. Non, c'est pas par là qu'il faut passer. Non, faut prendre l'échelle. Pour putain, mais ce level non, mais, design. Mais de t'as ouf. Une autre entrée au bout du wagon. Vas-y, reste. Là, côté, non, côté. Monte pas. Monte pas. D'accord, je monte pas. Reste, voilà, va au bout du wagon. Non, Est-ce que je peux te lire ce tweet? Putain, Greg, t'étais enfermé dans la glace depuis plus de 20 ans ou quoi? Ah, c'est bon. C'est pas faux. Vous pouvez nous laisser vos messages sur Twitter avec le hashtag C7 évidemment. Là-dessous, là. Ouais. Voilà. Oh là, et on les lit, y'a pas de soucis. Tiens, meurs, toi. Ah, mais. Putain. Bon, il t'a quand même laissé lui trancher la gorge parce qu'il est poli. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Le drone n'est pas. Allez, drone.
Est-ce que t'as la carte 12-25 ans hein? Tiens, 12-25 balles. Dans ta tête. Prends ça, en lec. En raison d'un mouvement social. Nous avons décidé de. Un accident de personne dans un wagon. De personne, à la suite d'un accident voyageur, le trafic est interrompu. C'est exactement ouais, c'est vraiment ça. Mec, cette faculté que tu as à avancer tout droit. En rond des couloirs où il y a des ennemis planqués. Le truc ultra éprouvant physiquement. Ça m'impressionne. T'as reculé. Le mec, il avance tout droit. Il marche en canard, quoi. Allez. Bon, mais c'est, il met deux ans. L'IA, elle est pas dégueulasse. Non, l'IA, elle est pas géniale. C'est les deux ans à changer d'arme. L'école Doom. En fait, ce genre d'ennemi, ça, c'est le soldat de base qui tire, mais qui tire tout droit, quoi, et qui réfléchit pas trop. Il y a le bon chasseur. Par contre, ouais, t'as des snipers qui disparaissent, qui se téléportent et tout, ce genre de trucs. Il y a un lecteur sur Twitter, Pumbly, qui nous demande si on a testé le remote play PS Vita avec Killzone, c'était il y a 20 minutes. Oui, et graphiquement et niveau lag, c'est bien tant qu'on est près de la console. Tant mais qu'on est dans une hutte en bois. Voilà, j'imagine saute, que saute, je peux pas péter la porte. Non, tu sautes. Faut sauter. Et graphiquement, bah forcément, c'est l'écran de la Vita, donc c'est pas HD, okay, mais. Tu continues. Ah, alors ça là, dépend si on a la première Vita et qu'on a l'écran OLED. Ouais, mais même OLED en fait, c'est pas la même résolution, donc c'est raboté. Mais ouais. Enfin, l'écran OLED qui dure 3 heures, non merci quoi. Allez hop, bim. Je vous ai bimé. Bon, vas-y, fais-moi rêver, Trunks. Le drone s'appelle Régis. Attends, tu viens de monter là. Le drone s'appelle Régis. Il doit y avoir une autre échelle derrière là. En fait, mais je reviens sur les pas là. Non, là tu peux monter encore. Tu peux remonter encore. Voilà. Tu peux même pas bouger dans un angle. Use ladder. Certes. On veut faire le ménage quoi. Alors c'est très beau, mais le mec est un peu poussif quand même. Hein. Le mec est lourd, mais ça c'est propre au Killzone. Non, mais je sais pas s'il a une armure de 10 kilos sur lui, mais c'est Killzone, ça a toujours été très lourd dans la maniabilité. Greg, non, c'est peut-être pas par là. Non, non, c'était pas bien de l'autre côté. Y'a pas une warp zone par là? Ah là, suis en ville. Lance drone, le cousin jaune, c'est comme dans Uncharted. Ah mais il y a du mieux Greg. Allumez-vous. Il y a du mieux. Alignez-vous. Bah attends, il suffit. Au niveau du ragdoll, c'est quand même pas génial. Ouais, par contre les fragdolls, c'est beaucoup mieux. Oh là là. Ok le mec quoi. Les fraggle rock, non okay, voilà, tu peux rentrer dans ce wagon là. Tu peux rentrer dans ce wagon là. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a des munitions, des trucs à pécho ou pas? Putain mais Trunks, j'annonce que ton frangin, il va sécher une PS4 dans l'heure. Ah ouais, bah, comment il est beau le jeu, c'est ouf. Ouais, après tu vois au niveau du gameplay, il y a moins de combos que dans Street Fighter. Je te le dis tout de suite, Alan. Ah, Greg de fourbe là. Ah, mais tu as cru que c'était une vraie vitre. Ah ouais. Oh là là, t'as vu que c'était un vrai sort. T'as vu que c'était un vrai sort. J'avais trouvé un endroit où je flottais. Bon, est-ce que je montrerai pas un autre niveau? Ouais, peut-être, ouais. Tu vois, un niveau un peu plus dynamique. Les Rapidos, j'ai envie d'y jouer à ça. Un niveau un peu plus dynamique. Reste sur Boulapoire et Pikachu, Hubert, ouais, pour que Trunks. Boulapoire et Pikachu. Hop. Trunks. Ah, bah je suis content d'être venu faire une Magic. Tiens. Non, Greg, tu as plus. Mais non, mais moi je voulais jouer à Battlefield. Tu as plus que représenté. Je voulais jouer à Battlefield. T'avais dit qu'on ferait du Battlefield. Voilà. C'est quoi? C'est ça? Ah non, carrément, je suis obligé de sortir. Ouais, c'est pas cool. Ok. Are you sure? Mais il y a multiplayer. Ouais, il y a multiplayer. Parce que c'est FPS, c'est bizarre quand même. Il y a multiplayer. Est-ce que c'est local ou. Non, mais ça. Ok, pas mal. Alors, il y a Michael Potron qui nous demande si on a testé le remote play via relais internet, c'est-à-dire en gros. Jouer en infrastructure, donc avec connecté à ta box directement. On l'a testé, mais le problème c'est qu'on a un wifi tellement moisi à la rédaction que c'était pas concluant du tout. Donc on va le faire dès qu'on aura la possibilité d'avoir vraiment une connexion en béton armé. Parce que pour l'instant, c'est pas vraiment concluant. Donc voilà. Bon, là il y a du spoil aussi ou pas? Là il y a un peu de spoil, donc on va rester sur nos tronches pendant la cinématique. D'accord. Oh, elle est moins belle celle-là déjà, donc vous perdez rien, chers amis. C'est bleu. On en profite pour remercier les milliers de lecteurs qui sont toujours avec nous. Oh, ouais. Sympa. Dites à vos amis de nous rejoindre, parce que là on est sur peut-être le seul jeu vraiment qui donne envie. Il est vrai. Voilà. Et c'est Boulapoire qui va jouer à Killzone, et rien que pour ça, je pense qu'il faut. Tu l'as mis combien? C'est 7? Ça vaut le coup. C'est 7. Le hashtag, c'est C7. Voir Boulap jouer à Killzone, voilà. C'est quand même quelque chose que vous ne verrez pas tous les jours. Boulapoire qui joue à Killzone, je pense que là, pour le qui coup. Qui renie tous ses labels. J'ai fait le début à la maison. et j'ai eu une corruption de sauvegarde. Donc, Ah merde. Ah, mais c'est bien de le dire. On s'en fout un peu des spoils de Killzone. Bah, faut dire que j'ai quitté le jeu pendant une cinématique. Donc, c'est interdit. Il a pas aimé. En fait, le scénariste est taquin. Quoi? Tu t'intéresses pas à l'histoire? Meurs. J'ai reset tous tes trophées. Bien, la console explose. J'ai reset tous tes trophées. Tu vas m'aimer, oui. J'ai rayé ton disque. C'est génial. Ah tiens, les gens qui mettent le disque dans la Xbox One et que ça fait clac 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 clac, faut retourner la Xbox, taper dessus, et a priori ça marche. Ça nous est jamais arrivé.
Ouais. Non, mais tu sais, il y a plein de gens qui le conseil postent d'ingénieur. Sur YouTube. D'accord. Et du coup, il y a un mec qui dit, bah voilà, tu vas voir, tour, on tape la dessus. La bonne technique de la PS1. Mais ça remet le bloc optique en place, a priori. Non, mais le nombre de mecs qui vont t'appeler demain. Fils de pute. Non, mais attends, j'ai vu. J'ai tapé sur ma console. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est un mec sur Grégoire Hello. Grégoire Hello. Alors, si quelqu'un m'entend en régie, on peut mettre le jeu. Voilà. On peut mettre le jeu. Voilà. Voilà, merci. Et voilà. Et là, on se dirige vers la lumière, donc on va mourir. Donc quoi, Greg, Greg du haut de ses 20 ans d'expérience, je ne te conseille de taper ta console à 500 euros. Voilà, exactement. Tu la retournes et tu la tapes. Envoyez vos modèles défectueux, monsieur Grégoire. Tu tapes sur YouTube how to fix Xbox One, clac clac clac, l'optique machin. Clac clac clac. Et tu mets un coup et ça refixe le truc. Voilà, et donc du coup, le mec retourne la console, il fait boum boum 3-4 fois, il retourne et ça load tout de suite. Mais techniquement, tu mets celui qu'il y avait tout à l'heure. Ouais, non, c'est vrai. Et là, tu peux pas passer. C'est le seul jeu où tu. De quoi ? On essaye de convaincre Nanark de nous rejoindre sur le plateau, mais quand il vient, il met pas de micro et il veut pas jouer. Et il mange tous les pains. Il veut se bouffer en fait. Il est venu boire le coca. Moins il y a de bouffe, moins il reste, tu vois, donc c'est ça le truc. Il loot les pains. Putain, on aurait dû prendre une pizza en plus. Il y a un mec sur le chat qui dit la pluie est moins belle que sur GTA V, MDR. Ah. Voilà, donc le MDR était très surtout sympa. Surtout ça ruisselle pas sur les. L'audience qu'on mérite. En voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas super bien joli fait. J'ai oublié un mot, mais. C'est pas très bien fait. Voilà, ouais. C'est. T'as le graphiquement. Le syndrome terrible, Batman Arkham City. Ouais, ça c'est, voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est le syndrome oreillette. 10 minutes. Ça fait comme. Alors là, tu peux voir les belles textures des fringues. C'est bien. Mais non, mais voilà, ça fait partie de ces trucs pénibles que j'aime pas dans les jeux modernes. Moi, ce que je remarque, c'est que Bullet est toujours pas mort, quoi. C'est ça, voilà. Il a déjà fait beaucoup mieux, Greg. Ouais. Ouais. Ah bah. Je vais tuer la manette dans 5 minutes, par contre, s'il me laisse pas jouer. Mais... Mais non, mais admettez que c'est chiant dans les FPS modernes où les mecs te laissent pas jouer, quoi. Oui, bah, j'aime bien Attends, enfin, ça fait partie de 80% des jeux. Mais non, mais Left 4 Dead, voilà, t'arrives, il y a des mecs qui tombent sur la gueule, ça envoie. Xavier Aplis nous demande ce qu'on pense des sticks des deux consoles. Donc le stick Xbox One. Alors, j'adore les deux. Par contre, Boulap me disait que les sticks PS4 seraient peut-être moins résistants. Ouais, j'ai Games Week, ils étaient abîmés. Il y a eu quelques trucs. À force que beaucoup de gens les utilisent. Après, il y a des brutasses sur les manettes. Alors, moi, personnellement, la manette. PS4, elle est, enfin, je sais pas, son épaisseur me gêne un peu, mais sinon, je suis les boutons de tranche me gênent moins que les autres. Ouais. D'accord. Tout le monde dit oh, les boutons de tranche sont tout pourris et tout, ça va. Moi, je trouve que ça. Moi, je la trouve plus confortable en fait que la manette One. Elle est plus ronde, tu vois. Moi, je la trouve aussi plus confortable, mais les sticks de la One sont vraiment mortels. Non, la One, elle est super raide. La croix de la One est mortelle. T'as l'impression d'avoir la boîte de vitesse d'une bagnole neuve, quoi. C'est là, c'est pas notre là, il y a le jeu, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, mais rien à faire. Voilà. C'est long. C'est comme Beyond qui avance tout seul quand tu touches pas la manette, tu vois. C'est bon, quand est-ce que je peux tuer des mecs, quoi. Allez, avance. Donc là, on assiste à toute l'injustice des méchants. Mais voilà, c'est ça aussi. Mais c'est qu'il y a une histoire. Mais non, mais tous les faux Spielberg, là, ils nous emmerdent. Tu peux faire ça pendant le jeu, t'es pas obligé de... Ah, oh, putain. Alors, qui saurait traduire ceci? Mais non, mais tu joues à un jeu vidéo. Cinématique. C'est marqué cinématique. Cinématique ou couillon. C'est du russe moderne du 22e siècle. Oh, et ça sonne, t'es mort. Tu vas sonner, voilà, tu vas tuer tout le monde. Mais tu sais qu'il y a une scène comparable dans Half-Life 2, au début de Half-Life 2, mais ça dure 30 secondes. Mais oui. Et tu vois, ça dure pas 30 secondes. Ouais, peut-être un peu plus, mais. Mais tu restes pas collé le dos au blouson d'un mec pendant 2 minutes, c'est quoi. Clair, c'est clair. Ah, où les oreilles du mec là? Attends, allez, vas-y, va voir s'il y a de la cérumée là. Là, c'est 9 sur 10. Non, mais regarde, t'as vu ce lens flare de partout là? Tu vas crever. Oui, c'est vrai, je vais pas. Tu vas mourir. Oh non. Tu disais quoi? Il a fait mieux que moi, c'est ça? C'est le mec qui est mort pendant une cutscene. Il est mort pendant l'intro quand même. Hein. Il a débloqué un trophée d'ailleurs. Boulapoir, premier succès. Donc là, Boulapoir, tu vois, il faut y aller en fait. Il faut y aller tout droit là. En fait, tu peux pas hésiter. Il y a les stressos qui te disent d'avancer, t'avances quoi. C'est quoi quand ils te font un signe avec la main d'aller chez moi. Elle est quand même marrante la croix gammée de l'espace là. Salut. Tu vas mourir aussi. Les drones. Ça va, ils auraient pu être méchants, ils auraient pu me remettre au début de la cinématique. C'est pas très bien tenu, hein. Salut! Moi je tourne. Il va te foutre un coup. Donc là, t'es quoi? Regarde les ordures par terre! Je ne raconte pas l'histoire. T'es un réfugié. C'est vrai que c'est long quand même. Ils vont faire de toi un soldat. Oh là là! Ça y est, ça m'a saoulé là. Ah, il tire les missiles! Je comprends pourquoi je joue plus, c'est. Oula! Mais ouais, c'est ça, c'est le mot, tu ne joues plus! C'est le 5e chapitre, je crois, en plus, c'était même pas. Hop, moi je vais aller par là.
Non, tu veux pas. Bon, d'accord. Ouais, c'est... Salut. Plus ou moins. Ouais. Discothèque à... Est-ce que vous faites chier sur le chat avec cette cinématique? Voilà. Ah, il y a un mec qui dit ta gueule, Greg. Eh ben écoute, tiens, Wad. Franchement, le conseil, c'est moi qui ai le pouvoir. Tiens, Wad. Tiens, Wad. Je te bats. C'est... Voilà. On dirait du puyot. Je sais pas s'ils se font chier sur le chat, mais dans la région, on se fait turbo chinois, en tout cas. Ah, t'es d'accord? Il se passe rien. C'est quand même plus drôle quand on meurt. Non, alors, je trouve, ça, pas, je trouve ça totalement. Non, restart pas là, c'est pas une chose. Je trouve ça totalement. Non, restart pas la cutscene, je ça ne rien. Là, c'est totalement acceptable d'avoir des cutscenes dans un mais jeu. Mais il se passerait. Putain, mais j'ai l'impression de prendre le métro le matin, quoi. Ah, mais là, tu regardes des gens que t'aimes pas, il se passe rien. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle est chiante. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est chiante, t'es trop longue. Ouais, celle-là, elle est. Mais est-ce que l'émotion là-dedans, ça te. Non. Mais tu vois, c'est ça. Tu vois, je suis ému aux larmes, j'ai envie de. Quand t'as des cinématiques dans Last of Us. L'histoire est vraiment mortelle, t'as envie de regarder. Mais qu'est-ce que. Mais t'es mort ? Voilà ! Ok. T'as joué 10 minutes ? Attends, 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 attends. Mais en même temps, si vous mourrez aussi sur des trucs. Mais non, mais. Cool, moi, non, mais c'est sûr qu'on va scripté. Rien faire. Scripté. Ah, là, là. Tu t'es fait buter dans la cutscene ? Scripté, ouais. Il y avait un QTE en fait. Ah, il y avait un QTE. Je me suis dit, je vais pas buter tout le monde. Genre, est-ce que t'as encore envie ? J'ai le droit de réveiller ? Ce Dragon's Lair déguisé, putain, il y en a marre, quoi. Si tu touches un euro, chaque fois que tu l'as dit, celle-là. Je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui dit David Cage et smiley de chien. Voilà. Smiley de teckel. Greg, t'es lourd. Hop là, tiens. Voilà. Faites-nous un concours de smiley sur le chat, d'ailleurs, que ce soit un peu plus interactif. Enlever la coque de Greg, ça veut dire quoi? Donc voilà, c'est bon? Non. Tu attends un peu, s'il te plaît. Bute-le. Allez, un couteau, là. Prépare-toi, hop. Mêlée. R3. Oui, c'est bon, ça fait GG. Voilà. Voilà. Tu t'es auto-tué. Il se passe des trucs. Concours de smiley sur le. Allez, voilà. Greg, on va voter. Je vais prendre ton arme. Lequel choisis-tu? Ah, écoute, super viande garçon, il est bien, quoi. Enfin, super meat boy. Ouais. Je sais pas qui c'est, le gros, là. Il y a un chat. Ah, il y a un chat. Putain, mais il sort d'où ces smileys, ça déchire. Il y a un alien, il y a un mec qui pleure. C'est Dr House, on dirait. C'est lumière, c'est fog. Il y a un mec avec un foulard sur la tête. Le cyclope, il est classe aussi. Ouais. Super Meat Boy. J'hésite entre le cyclope et Super Meat Boy. En fait, tu peux changer les. Ça te rappelle pas un peu, Yuki, le jeu Remember Me là? Ça là, tu sais, ce genre d'ambiance. C'est la même DA. La DA fait un peu Remember Me, effectivement. C'est un peu plus ouvert que Remember Me. Ah, j'ai pas envie de. Avec des couleurs sombres et tout. Mais il se passe quoi? Alors, c'est. Non, mais c'est très beau, mais c'est vide. Voilà. C'est magnifique, il n'y a pas de soucis. C'est, c'est le début du niveau, tu viens d'intérieur, t'es en infiltration. Évidemment, il n'y a pas 50 mecs qui vont te dans le mot infiltration, il y a. Générique, non, mais dans le mot infiltration, il y a passé inaperçu. Évidemment, si t'es dans un endroit où il n'y a personne, tu passes inaperçu. Mais là, il n'y a personne. Oui, donc c'est ridicule. Enfin, c'est infiltration, traverse un couloir où il n'y a personne. Oh, je suis trop un ninja. Non, mais regarde, là, tu vas retomber sur des mecs, voilà, 5 secondes après. Vas-y, Boulap, chaud. Boulap. Un Orlando. Vas-y, allez. Allez, vas-y. Putain, vite, qu'il se passe quelque chose, là, on s'emmerde. Non, pas ici. Non, je m'en fous. Mais si, Osef. T'en fous, t'en voilà. Fous. Next gen. Balance le drone, Boulap. Balance des grenades. L1, le drone, Boulap. Ah, merde, il y en a un qui me. Vous mourrez en 2 secondes dans le jeu. Ah, ça faisait le malin tout à l'heure. Allez, Greg, balance le truc. Vengeance. Voilà, vraiment. Ils sont la haine, le coup. Mais non, mais. Il est lourd, le gars, quoi. Il bouge pas vite. Ouais. Salut les. Alors, il y a Mohamed DE qui dit salut les gars, je vous découvre. Bah, salut Mohamed. On te découvre aussi. Greg, il gueule encore plus que ma femme. Oh, putain. Ah ouais, non, mais je suis chiant avec les jeux. Boulap, le L1. Le PayPal. Le PayPal. C'est quoi le PayPal? Payé pour jouer, hop là. 200 crédits pour jouer. Le shotgun. Ah, il est là. Loot. Tire dans le bouclier, je pense. Les décors sont pas destructibles, j'imagine. J'ai plus de grenades. Certains, peut-être. Ouais, c'est scripté. C'est en DLC. Oh, l'IA, c'est une catastrophe. Le mec baisse son bouclier. Bah, s'il a fait un comportement. Où est-il? Bon comportement. Ce qu'il faudrait dans la VF, c'est que tous les NPC aient la voix d'Obélix. Bah, il est passé où? Ça sonne. Ça ressonne. C'est dommage parce que. Ah, je vais lire un journal. En des termes un peu plus subtils que ce que vient de dire Nanark, c'est le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie, y a pas de soucis. Mais sérieux, tu trouves ça beau? Ah oui, c'est très beau. C'est beau comme un restaurant chinois, quoi. Le truc, c'est super fluo. C'est beau comme un restaurant chinois. Prenez des quotes sur Twitter. C'est beau comme un restaurant. Non, mais les effets, ils sont au maximum. Non, mais techniquement, c'est beau. Il y a du polygone, ça envoie, il y a de la particule, tout ça. Voilà. Mais. Non. On s'en fout, putain. Non, mais le mec qui t'a maté. À l'école de Dark Souls. Mais non, mais attends, mais. Mais pas dans Dark Souls. Mais je comprends. Mais t'as maté une cinématique de merde pendant 5 minutes. Tu prends le métro. Tu veux du sang. Voilà. Le mec, il a le tort
monde existait. Tu veux tuer tout le monde. Regarde, il se passe rien. Mais là, t'es comme un chat, tu vois. Le temps d'exister. Le PNJ qui passe, il a raconté. Si tu sais pas trop parler, tu fais haut, croix sur la croix. Mais il se passe rien. Ouais, tu fais haut sur la croix, tu vois l'objectif. Tu sais, t'es comme les chats, tu vois un truc qui bouge, tu sautes dessus, tu vois. Bande de sauvages. Voilà. Tiens, un petit coup mais non, mais c'est... salopard de mur. C'est la console qu'on entend souffler, ouais. Oui, c'est la console qui fait vous. Non mais c'est magnifique, mais ça parle à... la mise en scène n'est pas bien, enfin le rythme du jeu est mauvais, il se passe rien. Le level mais, je te mets au défi, on met en hard, il n'y a pas plus de mecs à l'écran. Hein. Ah, défi. Écoute, défi. Voilà, mais tu peux changer la difficulté au milieu. Je suis sûr que personne va popper. Déjà, hein. Boulapour, il t'y a pas une seule fois. Allez. Ouais. Mais C'est pas collectible. Non mais au niveau du game. Au niveau du déroulement, c'est dommage qu'il ne se passe rien. Trunks dit c'est de l'infiltration. Bah ok. Non non, enfin le tout début c'est. Bah alors là c'est quoi? C'est une promenade. Bah là c'est surtout il faut aller à l'objectif quoi. Bah, je préfère aller au Louvre acheter Louvre 3DS, tu vois, c'est. C'est du level design. Alors, il y a une remarque sur Twitter, c'est la première fois qu'on nous l'a fait. Oui. Surtout Nanar, je pense c'est la première fois qu'on va lui faire. On est de sacré blasé. Ah Nanar, ça m'étonne. Il avait plus l'habitude. Oh quelqu'un. Si t'as 12 ans, c'est ton premier jeu, je comprends. Il est pas mort. Déclare Nanar qui ne veut pas mettre son micro, donc j'assume pas, mais je cite. Oui, il s'en fout, il a mitardisé plus de gens que tout le monde ici réuni. Ouais. T'es pas mort, j'ai été mitardisé par Nanar. C'est pas vrai. Pour les droits, je crois que c'est encore le faire. C'est vrai. Putain. Ah, le drone, il est bien con, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un PNJ qui est planqué dans un placard. Pas moi, monsieur. Tu vas sortir. C'est 100 dollars. Oh, putain. Alors, cache-toi parce que lui... Il a un bouclier, fais gaffe, il pourrait le baisser devant toi. Bah, il se démarre pas si mal, Boulapoire. Non, mais là, tu vois, là, je suis content, il se passe un truc, les mecs se planquent. Bah, le truc, c'est que le niveau dure à peu près 45-50 minutes, et là, on en avait vu 2 minutes, et t'es déjà en train de te vénérer. De cinématique. Oui, parce que, enfin. Dans un jeu, enfin. Non, mais si c'est un bon jeu, c'est jamais chiant, enfin, tu vois. Ça casse le rythme, je suis d'accord. C'était trop long, et. Un jeu où tu peux poser la manette, ça m'intéresse pas. T'as un bon film, ça, là. Ouais, les armes sont pas trop mal, mais bon après... Attends, c'est comment qu'on fait pour changer de... De gun? Y. Comment qu'on fait avec le pavé tactile, tu vas sur la droite, sur la gauche en mode secondaire, tu sais. Bas sur le point directionnel, mais cette arme-là a qu'un mode, je crois. C'est une grosse Gatling, hein, c'est tout. Ok. C'est une grosse Gatling. Je cherche pas. C'est une grosse Gatling. C'est déjà pas sur une pub pour Sens Critique, Nanak, oui. En mettant ton micro? J'essaie de comment il essaie de tapater? De ton site là, ton truc là, où tu notes des trucs, ou des films, je sais plus quoi là. Non, ça va, c'est juste créer ma haine. Hein. Ah! Connard! Ah, tue-le! Oh non! Tu l'as le même! Voilà! Il a ressuscité! Voilà. Alors moi, je fais du mal aux animaux et je joue sur les innocents quoi. Mais regarde, il a les cheveux laqués, c'est dégueulasse! Il bouge encore! Ah, attends là! Regarde un autre qui sort. Pas... Attends, il y a sa sœur là. Vite, la laisse pas toute seule. Vite, course là. Faut qu'elle rejoigne son frère dans l'au-delà. Vas-y, moi je suis bouddhiste, faut qu'on se rejoigne dans l'au-delà. Allez. Quand vous la pointe avec une culte. C'est les mêmes. C'est les fucking mêmes. À l'école dedans. Il avait des petits chatons dans son manteau et maintenant il tue des gens. En fait, c'est Metal Gear le jeu, c'est que des clones. Je veux pas faire mon relou, mais quand tu tuais quelqu'un, les dégâts étaient localisés dans GoldenEye sur N64. Non, mais c'est vrai, Non, mais. Dans Soldier of Fortune. Ne riez pas, c'est vrai. Tu tirais dans le cul d'un mec, il avait mal au cul, tu tirais dans la jambe, il avait mal à la jambe. Non, mais c'est vrai. Et là, voilà, le mec, il est par terre. Oh, c'était de l'autre côté. Peut-être que le flingue est puissant. Peut-être que le shotgun. Parce que le flingue est puissant, du coup, il se passe rien. Du coup, sa tête reste intacte. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'en fait, que le level design ça, pas... on sent les mecs, ils ont dit, il faut mettre des civils, donc ils ont dit, c'est 3 PNJ ennemis qui se baladent dans la ville. Tu tournes en rond, Boulapour. Et c'est censé donner de la crédibilité, quoi. Tournes en rond. Des mecs silencieux qui parlent même pas, ils disent même pas, genre, ne tirez pas, on court comme des gogoles, voilà. Wow. Non, mais il y a pas ça. Alors là, il faut que je scanne. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on arrive dans une gare et voilà, on a croisé un train d'enfants spéciaux, et voilà, c'est ça les PNJ, quoi. Ils courent, ils crient pas. D'accord. Oui, ils sont un peu nerveux, oui, je comprends, oui. Putain, le temps qu'il a mis. Ouais. Putain, c'est honteux. Pas là, regarde le mec qui passe au-dessus. Là. Gardez vos distances. Faites attention, il est armé. Oh, c'est grenade. C'est quoi, t'as pas de l'énergie, ça, tu te recharges de. Ouais.
Ça, c'est la norme maintenant. Ouais, c'est con. FPS. Les animations de chute des ennemis quand tu retires dessus, c'est très Marco Verratti dans les. Allez, je vais aller faire une petite sieste. Très heureusement, j'ai mon duvet quechua. Bon, y'a pas de truc. Putain, mais y'a rien. Est-ce qu'il y a des secrets? Ah non, mais Boulap, il chasse déjà les trophées. Y'a pas. Non, mais je y'a pas des Intel ou des trucs à récupérer? Ouais, non, mais j'espère qu'il y a. Je voudrais creuser le scénario, ça a l'air passionnant. J'essaie de trouver quelque chose d'intéressant en fait dans le jeu, mais. Bah là, regarde, y'a un mec qui t'attend au haut de l'escalator. Bon, c'est vrai que c'est le mode easy, donc les temps de réaction, c'est peut-être encore un peu. Mais c'est même pas la question du temps de réaction. Bah, t'as joué en normal et hard. Je pense que c'est plus les dégâts. Qu'est-ce qu'il y a? Et la résistance. Mais l'IA change pas. Ah! Ah bah on a dit du gazon, pas résistance. C'est rigolo. Oh, il y a un poil. Écoute, le charbon était bien fait. Le charbon était super. On reviendra. Est-ce que tu sais où tu vas? Depuis tout à l'heure, je fais le méchant parce que j'ai mon étiquette Geiger sur le torse. Mais en tout cas, c'est le premier jeu que je vois qui fait vraiment le job. C'est-à-dire que tu claques 400 euros, t'invites tes amis en leur disant « Hey, vous allez voir, je vais vous déchirer. » Ok, là, ça marche. Tu les as déchirés. Tu fais 3 PNJ dans une ville morte. Voilà, non mais les mecs sont là, t'as vu les lumières, les machins. Non mais c'est très beau quand on est arrivé dans les buildings et tout, c'était magnifique. Après bon, il faut que les game designers et tout ça fassent. Non mais c'est vrai que je suis d'accord, si tu ressors Knack, ils vont dire ouais, c'est la PS3. Oui, exactement. Ouais, donc là, ils savent pourquoi tu t'es endetté sur 2 ans quoi. Non, là c'est magnifique. Mais c'est bien fait. Hein. Mais là, tu vas te reperdre là. Non mais je regarde. Je t'ai reperdu. Je regarde. D'ailleurs, t'es revenu au début là. Voilà. Mais c'était y a plein le début, de ça. Mais Boulap, c'est le voyage. Ouais. C'est... Je veux dire, l'important, ce n'est pas la destination. Non, mais c'est l'exploration. T'as un c'est le voyage, quoi. T'as un monde autant l'explorer. Comme Terraway, quoi. Heureusement que Boulap l'a pas testé. Les plus, une durée de vie infinie. La texture. C'est quoi ce bruit demande le chat? C'est quoi ce bruit devant le chat? C'est le ventilateur de la PS4. Oui, c'est le ventilateur. Ah non, c'est la boîte à meux, d'accord. Le ventilateur, il fait. Je crois qu'il faut que je descende. Il y a un moment, il va falloir que je descende. Qu'il faut que tu fasses haut. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, mais en fait, c'est là. Puisque les PS4 et One auront une architecture proche du PC, pensez-vous qu'on aura encore des portages PC? Dégueulasse. Dégueulasse, il a dit? Ouais. Ah bah oui, oui, forcément. Mais ils ont rien, ils sont journalistes de jeux vidéo. Voilà. De toute façon, si je réponds oui ou non maintenant, ils auront oublié dans 3 Est-ce qu'on peut sauter sur un taxi en vol? C'est Greg qui pleure depuis tout à l'heure. Ah non, je me marre bien, moi. Comme dans le 5ème élément, comme dans le 3. On veut Caro. Bah oui, nous aussi. Ah, c'est le docteur allemand qui m'attend. Tue-le. T'as remarqué, il a les mêmes mollets que le NPC tout à l'heure. Il ressemble un peu à Pat Layen. Ah mais voilà, c'est lui qui doit sauver le monde, c'est pas toi, regarde. Allez, il a du corps à corps. Tiens, la tête pour qu'il a mal quand même. Un coup de couteau. Voilà, c'est bien prendre un écouter aux portes. Ça vibre quand tu frappes ou Ça vibre. C'est vrai? Ça vibre? Non, ouais, ça vibre, c'est punch out. Bon, laisse-moi jouer. On dirait Skyrim. Sauf que dans Skyrim, il y a un intérêt à le faire parce que tu prends des niveaux. Il fait 70 degrés ici. Ouais. Bah, elle ventile, hein. Oui, c'est ça. La PS4, il fait radiateur. T'as pris les stuffs? Il y avait des uns? J'en sais rien. Ça me rappelle ma 360 Day One, l'hiver je la mettais, j'entr'ouvrais la fenêtre et je la mettais en équilibre dehors, ça passait nickel. Tellement elle chauffait. Hop. C'est vrai tu chauffais l'extérieur? Non mais... Ça chauffe. La PS4 chauffe beaucoup. Hein. Après c'est vrai que là on est au cul de la console, mais c'est vrai que c'est... Ah, oui. Tue-le. Vite. Hey, NPC, oh là il a fait du smurf, je l'ai vu. Moonwalk. Oui, je sais, voilà, c'est bon. Allez, vas-y, envoie Régis de... Tu revis là? Ouais. Parce que j'ai de l'adrénaline. T'as fait du cob dans le jeu? C'est la commune, tu vois, quand t'as de l'adrénaline... C'est super. Envoie ton drone. T'as vu, c'est chiant, hein, Boulap. Envoie ton drone, planque-toi. C'est intéressant. Alors là, je vais utiliser mon bouclier, par exemple. Vous avez combien de PS4 à GK? Bah déjà, devant nous, on en a deux, là. Deux, bah c'est les deux seuls qu'on a. Voilà, on en a deux. Ah, j'ai mon petit bouclier, tu fais moins. Tout le monde réclame du multi. Pourquoi on en fait pas alors, du multi? Tu t'en vas? Parce qu'on arrive déjà pas au même point. Bah, battre en easy, donc ça, c'est pas faire multi. Tout le chat va se connecter. Boulap, peux-tu tirer dans les murs? Attends, je fais de l'infiltration. Attends, tire dans les murs pour voir les dégâts et tout ça. Mais non, je veux faire de l'infiltration. Mais tue-le, regarde, il pique-nique. Ah, il est con, lui. Oh là là. Mais toi, son job. Voilà. Vas-y, tire dans le mur. Là? Voilà, n'importe. Voilà, donc cher lecteur, il ne se passe rien. Next gen. Mais on peut recharger. Boup, boup, boup. Alors, c'est quoi ton tir? Les deux PS4 font du bruit? Non, il n'y en a qu'une qui est allumée, les enfants.
On a l'impression qu'elles sont plusieurs, mais il n'y en a qu'une. À l'heure actuelle, l'équipe a-t-elle sa console préférée? Il y a une émission pour ça, c'est assez partagé. La PlayStation Vita. Grégorello et la 3DS. Ah, j'aime bien ça. Wii U. Dans BF4, il y a de la physique. Oui, mais moi, je leur dis de mettre Battlefield 4, mais c'est fini. On l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà. 400 boules, toute ta bourse, Erasmus. Ah oui. C'est pas une ligne de rap, ça? Je sais pas, mais ça, c'est une bonne punchline, ouais. Dans GoldenEye, il y avait des impacts, oui, et même dans NAM 75, merde. Greg, ton jeu de la gêne, voilà. Bah pour l'instant, ça va être Battlefield 4, hein, vu ce que j'ai vu. Non, de la gêne précédente. Ah, oh là là, il y en a tellement, j'en ai pas un précis, quoi. J'aurais mis peut-être deux fois. Presse de scène. Celui auquel j'ai le plus joué, et j'ai regardé en heures, ça a été fait fond sur Xbox, mais c'est pas un jeu de la gêne, quoi. Je dirais Battlefield 3, je pense. Ah bah si, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu. T'as, y a plus de munitions. Ouais, c'était à cheval, parce qu'il est sorti sur PS2, puis sur 360. Enfin, c'est vrai que techniquement, en France, il est sorti que sur 360. Ah, hey, c'est un bouclier. Ouais. Ouais, ça c'est... C'est drone vers le bas, je crois. Ouais, c'est drone vers le bas. C'est quoi ton jeu? Ah, je pense que voilà. C'est Battlefield 3 ou Bioshock. Ah ouais, comme. Ah, t'es où? Ou Bioshock. Ah, t'as joué à F3? Ah, mais t'es là, toi. Ah, F3, je l'ai saigné. J'ai 1200G, mec. T'as fait une multi ou t'as fait que le solo? Ah, je peux pas faire 1200G en solo. Hein. D'accord. Ah, j'ai cassé... Non, je suis niveau 50, je suis colonel. J'ai cassé le bouclier avec mes mains. J'ai tous les succès, j'ai descendu la canonnière, j'ai tué un mec à moto, j'ai tué un mec à toutes les armes. Heureusement que t'as réussi, putain. Bah oui, carrément. C'est voilà, c'est fini. Et voilà, on peut passer à autre chose. Ouais, on va passer à autre chose. Mais y'a rien d'autre. Vous avez mis Assassin's Creed ou pas? On l'a déjà montré la semaine dernière. Non, attends, les cinématiques, c'est bon. On l'a déjà montré la semaine dernière, donc on va pas le remontrer. Ah, attendez, en parlant d'Assassin's Creed, j'ai une anecdote géniale. Tu sais, on se fout toujours de la gueule des gens qui parlent mal, qui disent mal les titres. Genre Modern Warfare, Call of, c'est K-O-L-O-F. Call of. Et dans un magasin, une fois, j'ai entendu un mec qui demandait Assassin's Creed. Mais en scred, tu vois, comme un mec qui dit c'est normal, c'est un assassin, quoi. Ouais, mais voilà, scred, le mec est logique en plus. Vous avez assassin scred, comme un mec qui est scred. Et je trouve ça génial. Ça devrait être ça le vrai titre du jeu. Et quand tu recherches. Attends, on peut pas prendre de photos, qu'on faut tirer dessus. Alors faut mettre les guillemets, parce que sinon Google y corrige, mais tu cherches les guillemets assassin scred, tu vas tomber sur plein de pages, c'est très très drôle. Greg, en hommage à ta partie, oui. Je me sens. Je me sens obligé de l'envoyer sur Twitter. Oui. Attends, c'est Boulap qui est mort. Oui, c'était moi en plus. Excuse-moi, mais. Oui, c'est vrai, excuse-moi, oui. Et surtout, hein, tout pour humilier, tu vois. Non, et c'est surtout. C'est Boulap. C'est Boulap. Sans vouloir être méchant, Boulap est plus mort que moi. Ouais, mais il a joué plus longtemps que toi. Non, il y avait plus de cinématiques, c'est pas pareil. Il a passé plus de temps manette en main, mais il n'a pas joué. Demande Lucky au chat qui a le mieux joué, Greg ou Boulap. Mettez l'image Uber, très bien. Demande, lis sur le chat. Qui a le mieux joué entre Greg et Boulap? Qui a le mieux joué? Ah putain, ce combat d'infirme. Greg ou Boulap? Greg en galère, lol. Tu veux pas mettre un smiley chat aussi? Attends, ah merde, trop tard. Bon messieurs, il nous reste un ou deux free-to-play, je crois, à montrer. Je crois qu'on a fait pas mal.